Eh bien voilà, le colloque s'achève, il est tard, donc je ne vais pas faire d'exercice de conclusion sophistiqué. Je crois que vous avez compris que ces sujets-là sont à la fois essentiels pour le travail empirique qui consiste à explorer, mesurer, analyser tous les phénomènes qui sont liés à la question du mérite, de la différence interindividuelle, des inégalités bien sûr, des questions de hiérarchie. La théorie sociologique s'est intéressée depuis longtemps à la nature fonctionnelle ou pas des hiérarchies, des stratifications sociales et professionnelles. Tout ça, il faut l'analyser. La question de l'éducation, évidemment, est revenue à maintes reprises dans toutes ses composantes. C'est probablement le socle et le plus controversé possible de toute l'affaire. C'est qu'est-ce qu'on procure aux individus dès le départ pour les extraire d'un déterminisme quelconque. Et est-ce que l'école peut prendre ces choses-là en charge, jusqu'à quel point? Et de l'école, ensuite, on se transporte à mesure qu'il y a massification scolaire, c'est-à-dire qu'on procure à tous les individus des chances de s'éduquer le plus longtemps possible. Le curseur se déplace ensuite et l'épreuve se déplace ensuite vers l'université, puis à mesure que l'enseignement supérieur est acquis à un plus grand nombre d'étudiants, vers la qualité des études dans l'enseignement supérieur, vers les différentes filières de l'enseignement supérieur et vers les filières plus ou moins sélectives de l'enseignement supérieur. Il faut tout de même rappeler que même au sein de l'université, une part non négligeable des formations sont sélectives. Et en dehors de l'université aussi, bien sûr, on en trouve beaucoup. Et donc, ce rendement des études n'est pas le même. Je l'avais montré dans mon cours, un schéma extraordinaire de multiplication des diplômes et d'empilement, en quelque sorte, des strates de diplômes, avec chaque fois des couches supplémentaires qui se placent au-dessus de la vôtre, parce que des études plus longues ou des études plus sophistiquées, etc., etc., viennent modifier de nouveau le jeu de la scolarisation et de la formation supérieure. Et donc, il est caractéristique, par exemple, que les grands livres critiques récents, Michael Sandel, Goodhart le troisième dont Markowitz, Daniel Markowitz, pour citer la trilogie la plus récente, tous s'interrogent beaucoup et d'abord sur la valeur de l'enseignement supérieur et les conditions d'admission dans les filières les plus sélectives, qui sont des jeux évidemment où la compétition est absolument féroce pour se procurer des places. Et sachant que les places dans l'enseignement supérieur sélectif américain procurent un avantage substantiel ou considérable, qui n'est pas forcément indexé sur la valeur intrinsèque des études qui y sont menées, mais en termes de peut-être de signal, mais aussi d'effet de pair, etc., etc., guide beaucoup le destin de ceux qui en sortent pour les placer sur les voies les plus rapides de la réussite sociale. Et ce thème-là revient sans arrêt. Je ne parle évidemment pas directement, mais c'est aussi présent beaucoup, des thèmes majeurs que sont les inégalités explosives dans la partie la plus élevée de la hiérarchie sociale, là où on voit fonctionner des mécanismes dont on a parlé, des mécanismes de « winner take all », qui sont à la fois des métiers. La composition des 1% ou des 0,1% est un peu plus complexe qu'on ne le dit généralement. Ça n'est pas que le capitalisme financier, même s'il y joue sa part, mais il y a évidemment les hautes technologies. La guerre des talents fait rage dans la Silicon Valley et partout ailleurs maintenant, dès qu'il est question de technologies avancées et d'une offre de compétences ou de diplômes qui est inférieure à la demande, etc. Mais on y trouve aussi, par exemple, des professions libérales, des médecins, mais le système américain est de ce point de vue-là redoutable. Quand vous allez dans un cabinet médical, la première chose qu'on vous demande, c'est la qualité de votre assurance avant même de vous regarder. Et l'assurance, elle a un prix qui est plus ou moins élevé, et donc les médecins les plus chers sont aussi ceux qui demandent les assurances les plus chères, etc. Donc, et on trouve aussi dedans des sportifs et
et des gens de l'entertainment. Donc, on en a parlé, des métiers du winner take all. Donc, on a affaire à tous ces mécanismes-là qui, évidemment, font tanguer l'équation de base d'une méritocratie en termes de justice proportionnelle. C'est je cherche une rétribution qui est à la hauteur de mes qualités, mais qui n'est pas disproportionnellement à la hauteur de mes qualités. Évidemment, si vous voyez que celui qui arrive à rafler la mise parce qu'il a été le premier, et c'est le jeu classique maintenant des entreprises de haute technologie d'arriver les premières et de tuer en quelque sorte la concurrence après elles parce qu'elles vont rafler le marché, si les ingénieurs qui sont dedans sont payés 10 ou 20 ou 30 fois plus que leurs concurrents, évidemment, vous avez cassé quelque chose d'un ressort fondamental parce qu'il s'est introduit dans le jeu, il s'est introduit des leviers de disproportion qui s'ajoutent aux leviers classiques de compétition et de différenciation. Et ça, c'est un défi redoutable. Et s'il s'applique en outre au système éducatif, évidemment, il va violer un pacte fondamental de nos sociétés qui est l'adhésion méritocratique passe par l'idée qu'une certaine égalisation des chances, qui n'est jamais parfaite, est un idéal absolument non contestable et essentiel. Donc, on a là des jeux stratégiques sophistiqués sur lesquels les institutions n'ont qu'une part, parce que les individus, les familles en ont une autre. Dans la discussion sur la liberté, dans le principe de John Rawls, la liberté comme valeur de base, je repense aux idées, par exemple, de Helvétius, qu'a beaucoup lu Marx ensuite. Helvétius voulait casser les mécanismes d'inégalité entre les individus, tout simplement en détachant les enfants très tôt dans leur naissance de leur famille pour les placer dans des internats et en quelque sorte égaliser les conditions extérieures de leur formation, de leur éducation et les priver en quelque sorte de ce fameux booster familial de la transmission éducative directe. Et là, évidemment, c'est une question, et ça a été pratiqué dans certaines sociétés pour un temps limité, mais ça a été, c'est une question où on atteint à ce moment-là une des libertés fondamentales, qui est la liberté d'exercice de l'éducation à l'égard de ses enfants, etc. Donc voilà des questions qui sont très très rudes, parce que l'idéal d'égalisation des chances est un idéal sur lequel les institutions n'ont pas la main complètement du tout. Et par ailleurs, comme on l'a vu à propos de mobilité sociale, il y a une composante d'évolution du marché du travail, de création d'emplois, de création d'entreprises, de secteurs qui portent la croissance des sociétés et qui peuvent évidemment déterminer la déformation favorable ou défavorable de la structure de l'économie et des rémunérations qui vont avec. Quand on voit par exemple aux États-Unis qu'une part essentielle de l'innovation technologique et des grandes sociétés d'innovation technologique attire énormément de migrants de très compétents d'Inde, de Chine, d'Asie du Sud-Est, et il n'y a qu'à regarder l'identité d'un certain nombre de cadres dirigeants ou même de dirigeants de ces sociétés pour mesurer le point, on voit que l'immigration de cette nature-là est un vecteur qui s'ajoute comme une composante supplémentaire au défi méritocratique des sociétés. Ces migrants ne sont probablement pas nés dans des familles déshéritées d'origine, mais elles sont venues dans un pays et elles peuvent, par la combinaison d'efforts, d'études, de soutien familial, d'intensité d'investissement scolaire, etc., etc., elles peuvent vaincre en quelque sorte un destin qui n'était pas aussi favorable ou se procurer un destin qui n'était pas aussi favorable dans leur propre pays. Et ça, c'est la force de ces pays-là. Donc, les technologies, la croissance économique par les technologies avancées, et parce qu'aujourd'hui, on doit inventer comme autre technologie face aux défis climatiques, évidemment, qui sont aussi des affaires d'innovation, toutes ces dimensions-là
se composent entre elles pour donner à un idéal de, d'ascension sociale ou de jeu des opportunités une force qui demeure. J'ai dit au tout début de la journée que les individus ne pouvaient pas penser pour eux-mêmes exactement dans les mêmes termes que pour eux, quand ils pensent pour la société tout entière. Je l'ai moi-même exploré dans le cours. Et c'est ça un des paradoxes de la méritocratie, c'est que quand on se l'applique à soi-même, on demande une forme de justice qui est liée à la composante d'efforts, d'investissement dans des compétences à acquérir, etc., etc., et qu'on ne comprendrait pas qu'ensuite, quelqu'un qui n'a pas fait ces mêmes investissements et ces mêmes efforts puisse obtenir un sort qui est beaucoup plus enviable que le vôtre. Et donc, il y a une adhésion immédiate à un principe de proportionnalité pour soi-même. Mais quand les individus sont interrogés sur le niveau de justice dans une société, ils peuvent adopter une vision très différente en même temps, en disant « ce qui est bon pour moi devrait l'être pour tous ». Et c'est là qu'on commence à entrer dans un labyrinthe de problèmes. Peut-on transformer la situation de chacun en une situation favorable pour tous? Une manière de régler la situation avait été formulée par Karl Marx, qui disait « pour que ça advienne, il faut trois conditions ». Abondance des ressources, il ne faut pas de limitation par la rareté des ressources. Deuxièmement, il ne faut pas de division du travail pour que les individus ne soient pas mutilés dans une spécialisation étroite pour la vie. Il faut qu'ils puissent se déplacer sur le jeu des emplois, le jeu des travaux, des accomplissements professionnels de multiples manières. Et troisième condition, il ne faut surtout pas de compétition entre les individus. La compétition, c'est, comme dirait Sartre, la guerre de tous contre tous. Et si vous articulez la compétition au principe de rareté, relisez la critique de la raison dialectique de Sartre, vous avez exactement une société hobbesienne où c'est l'homme et le loup pour l'homme, d'une certaine manière. Et c'est ce que voulait empêcher Karl Marx. Mais essayer de réaliser ces trois conditions, ça n'est pas exactement donné à la première société venue. Et donc, quand on passe de la relative impossibilité de réaliser ces trois conditions ensemble à le quotidien de nos sociétés, on en vient à des situations où on doit juger la justice pour soi et la justice pour autrui dans des termes qui sont probablement très imparfaits, mais qui se rapprochent d'un certain nombre d'idéaux de justice proportionnelle et à condition que le terrain soit suffisamment, le playing field soit suffisamment leveled au départ pour que chacun puisse aller aussi loin que possible. Et c'est ça le grand défi, évidemment. Mais c'est une affaire qui dépend pour beaucoup des institutions, mais aussi pour beaucoup d'autres choses que les institutions. Pensez au rôle des familles qui est considérable. Et voilà. Donc, je n'ai pas fait de résumé de la journée, mais j'ai apporté un commentaire sur quelques éléments que j'ai entendus. Et je vous recommande surtout ensuite de lire les auteurs de nos contributeurs, qui sont les auteurs de livres et d'études passionnantes, parce qu'on gagne toujours à augmenter sa connaissance, même si on ne se simplifie pas la tâche, en ayant au bout d'une journée une image mentale simple de problèmes complexes. Voilà un défi qui est redoutable pour nous tous. Comment arriver à fixer sur des problèmes complexes un certain nombre de réponses ou de constellations de réponses qui sont respectueuses de la complexité et qui sont néanmoins maîtrisables par l'individu dans son quotidien. Ça n'est pas très simple, mais parce que les problèmes eux-mêmes sont complexes, parce qu'une société est un ensemble extraordinairement complexe. J'ai entendu ce matin qu'il valait peut-être mieux revenir à des sociétés mécaniques qu'organiques, disait, je crois, Luc Rouban. Ça n'est peut-être pas non plus l'idéal. Les sociétés sont des sociétés d'interdépendance complexe entre tous leurs membres, et chacune des composantes de la société bouge par rapport aux autres en permanence. Et pour ajouter une complexité supplémentaire qu'on oublie trop souvent, une société n'est pas isolée des autres. On est dans une carte mondiale
où il y a des interdépendances, bonnes ou mauvaises, la crise climatique en donne beaucoup d'exemples, et des interdépendances de compétition aussi, des interdépendances de solidarité pour le meilleur et pour lutter contre le pire, par exemple les guerres, mais aussi des interdépendances de compétition, parce que nos économies sont en compétition les unes avec les autres, et le terrain de la méritocratie est un terrain de compétition mondiale, d'une certaine manière, on peut le dire. On a eu des exemples aujourd'hui de pays, alors c'était dans le passé, mais on a cité le cas de la Chine, qui a fait son idéal d'une certaine forme de méritocratie, où il s'agit de réussir par les concours, par les examens, et d'empêcher que des élites captent trop directement tous les pouvoirs et se reproduisent entre elles. Elles y sont arrivées, c'est ça le paradoxe de la situation chinoise actuelle, mais le problème, c'est le bras de fer permanent entre est-ce qu'une élite détient une rente ou est-ce qu'une élite n'est là que pour bénéficier de ce qu'elle a fait et pour accéder à un certain niveau avant qu'elle finisse par reproduire exactement les conditions dans lesquelles elle s'est elle-même propulsée pour ses enfants qui n'en obtiendraient que le bénéfice de rente et pas autre chose que cela. Et voilà des défis qui, placés au plan international, nous compliquent encore la tâche parce que nos sociétés maintenant vivent ces chocs de plein fouet à travers la mobilité des migrants très qualifiés, à travers les compétitions dans le monde de la formation supérieure, des emplois supérieurs, de l'innovation, etc. etc. Ces domaines-là sont partout. Et voilà, c'est un des grands... C'est un empilement, en quelque sorte, de niveaux d'analyse qu'il faut garder à l'esprit. Et en ce sens-là, les comparaisons internationales, comme celles que faisait ce matin Louis-André Vallée, sont à la fois extraordinairement riches, difficiles à stabiliser, encore une fois, dans une image mentale, mais extrêmement instructives aussi, même si on n'a pas l'équation du meilleur des mondes possibles. Je vais finir sur ce mot. Merci.